Yo tout le monde, c'est Gun Team, on se retrouve pour parler d'un petit historique jeu de Rockstar qui date un peu quand même. Vous voyez ce corps? Il est ridé, ça me ferait penser à Freddy Krueger, mais bon. Pour moi, c'est pas Freddy Krueger. Pour moi, ça serait. Désolé, je suis un peu enroué. Pour moi, ça serait le corps du tueur dans l'infini. Qui se serait laissé mourir ici, ou sinon c'est quelqu'un qui l'aurait amené ici. Et bon, on va essayer de s'enfoncer un peu plus dans la mine pour voir. Donc pour l'instant, il y a juste du noir. Donc moi, comme les autres youtubeurs, je mettrai pas de jumpscare. S'il y en a un, ben il y en aurait un. Putain, j'y vois que dalle. D'accord. On va aller par là. Ok, ça peut pas se péter. Et pour ceux qui voudraient s'y rendre, c'est là. Pff, tu m'as fait peur, fils de... D'accord. Donc il n'y a absolument rien, c'est juste le corps. Donc le corps, pour moi, il y aura toujours une petite théorie dans chaque easter egg, à part s'il a été résolu. Donc, et si... C'était pas ici qu'il y avait le corps. Bon. Ah putain, je suis perdu. C'était vers là-bas qu'il y avait le corps. What? Dieu, l'ambiance là-dedans est vraiment très gore. Ah voilà. Donc pour moi, c'est tueur de l'infini. Avait vu là. La comptine de Freddy, donc a voulu l'adapter. Ouais. Donc vraiment, il a la gueule défoncée. Les mêmes yeux et tout. Le même nez. On dirait faire un tour sur internet pour voir une photo de Freddy Krueger. Et on va dire, peut-être qu'il aurait pris un sort de cachet qui donne un... Moi, les gens l'auraient jeté quelque part, ou peut-être, peut-être pas, mais bon, ça peut être le tueur de l'infini pour moi.
Voilà. On va sortir de là. Déjà, l'ambiance dans la mine est vraiment très gore. Hein. Moi, si j'étais en vrai. Ah merde, j'ai plus. Donc voilà. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo, un prochain easter egg. On se dit à la prochaine. Alors, on va finir en beauté. On se dit à la prochaine. Ciao.